là, je viens de me lever, c'est super beau ici, non, c'est très sauvage. Cette nuit, ça a été juste de la dinguerie, grosse tempête de dingue. On est arrivé à poser à l'arrache un peu les cannes. Mais bon, ça, a priori, ça pêchait puisque Mathieu m'a envoyé un message et apparemment, il a touché un poisson cette nuit. Moi, de mon côté, pour le moment, c'est très calme. A priori, je suis sur des spots qui ont l'air quand même assez prometteurs, donc on va continuer d'exploiter ça tranquillement. On verra bien. Pour le moment, on va kiffer la journée. Là, le soleil a l'air de vouloir se lever gentiment. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire de belles images avec la carpe de mon ami. Et puis, on va aller voir un peu ce qu'il nous raconte de beau. Bon alors, mon Mathieu, cette nuit, comment c'est passé? Mais écoute, j'aurais pas cru, mais ouais. Un poisson. Ouais, ouais, parce qu'hier soir, compliqué pour s'installer. Hein. J'ai eu du mal à poser avec la tempête, le vent, c'était bordel. Ouais. Moi, je suis arrivé, c'était des trombes d'eau, laisse tomber. Carnage. J'ai posé rapide avant la nuit, mais 3 heures, une touche. Et alors, il est beau ce poisson? Beau poisson de souche. Ouais. Je pense que ça va te plaire. Cool, on va aller faire une paire de photos. On va profiter du soleil et puis du décor, la bohème, l'ambiance. Il y a moyen de faire quelque chose de joli, je pense, ici. Hein. Tout y est. On va prendre un café avant pour se réchauffer et puis on fait les photos. C'est parti. Du coup, je suis revenu chercher une batterie pour mon réflex. On était en train de bosser sur mon poste avec Mathieu et en revenant en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une canne qui déroulait. Mathieu m'a gentiment laissé finir le poisson, donc on va essayer de la mettre au sec en espérant la mettre dans le filet parce que du coup, ça serait mon premier poisson sur cette eau-là. Bon, certes, c'est pas sur mes cannes, mais peu importe. Quand on est à la pêche entre potes, c'est aussi ça le partage. Hein. Oh yes! Là, il affiche! Ah, les sessions d'hiver, c'est vraiment génial. On a passé encore une super journée avec mon pote là. Donc voilà, on a passé une journée bien fraîche. Hein. Aujourd'hui, c'était encore pas l'Amérique au niveau des températures, mais bon, on a quand même arrivé à bien bosser déjà tous les deux. Là, on a eu un petit rayon de soleil, donc on a bossé un petit peu sur le tackle. Tout ça, on a fait quelques photos et puis voilà, la chance avait décidé de me sourire aujourd'hui puisque au retour sur mon poste. Une deuxième canne 100 balles, une des miennes. Et puis voilà, on fait encore une belle petite écaillée. Donc le contrat était rempli, c'était bien cool. Pour la période, on va pas se plaindre, on a fait déjà des beaux poissons. Donc on va aller se coucher, on va faire un gros dodo et en espérant être réveillé en pleine nuit. Parfait. La deuxième nuit vient de se terminer, les températures ont été encore très fraîches, donc on est bien au cœur de l'hiver. Les poissons sont peu mordeurs. On a quand même fait un poisson cette nuit, un petit poisson, mais ça remonte le moral. Comme hier, les cannes qui se trouvent dans peu de profondeur sont restées sur off. Seule ma canne en casse-fer de l'île a touché. Bon, ce matin au réveil, un très beau soleil, l'atmosphère était au top. On est motivé pour la journée, on va relever les cannes, on va prendre les cons, on va sonder dans les profondeurs et on va essayer de choper un dernier poisson pour la dernière nuit. On est surpris par la montée des eaux, la rivière monte de plus en plus. On a dû prendre 30 cm de montée des eaux depuis ce matin. Donc on n'a pas envie d'être surpris demain matin par les inondations. On a décidé de changer de poste. Donc là,
Je relève la première canne, je relève la deuxième et la troisième, poisson. La canne était posée super loin. Donc j'ai sûrement dû être surpris. Le poisson était au bout. En plein combat, j'ai décroché. Donc là, on va vite remballer et on va les déposer de l'autre côté, au sec et en sécurité. Ouais, ça faisait au moins un an qu'on essayait de se caler ça. Bon voilà, on a calé ça à une période qui est un peu compliquée au niveau de la pêche. On n'a pas eu trop de chance. Non. Montée de la rivière, la crue, montée des eaux du plan d'eau. Donc voilà, notre approche a été très simple, hein. On s'est pas pris la tête, on a pêché comme on sait faire. Ouais. Après l'arrivée d'eau fraîche qu'on a eu en arrivant, bah ça a tué la pêche. Ça a tué la pêche, voilà tout simplement. Donc, 4 poissons premier 48 heures et après fini. Dernier sur. Parce qu'en fait, il y a l'eau qui s'est mis à rentrer dans l'étang, la rivière qui déborde juste derrière. D'ailleurs, c'est joli quand même, c'était sympa à voir, on a vu de belles images, mais après, bon... impressionnant. C'était impressionnant, on a un peu serré les fesses. Je crois que les propriétaires de l'étang aussi, ils ont serré les fesses parce qu'il y a eu des inondations il y a quelques années où ils ont perdu des poissons. Donc bon, a priori, pour le moment, ça se tient. Ce matin, ça redescend tranquillement. Voilà, bah on va finir notre petit café. Et on reprend la route. Et puis bah moi, 4 heures de route, toi. Une heure et demie. Bon, voilà, ça va faire un peu de bord, mais c'est pas grave, on essaiera de se revoir et puis de se faire ça une meilleure saison. Et puis pourquoi pas un peu plus de fiches pour qu'on rigole. C'est le but du jeu. Ah ouais. Bon, allez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, c'est un plaisir. On vous donne rendez-vous pour le prochain immersion. On sait pas encore où on va être, mais il y aura de l'aventure sûrement. Allez, à la prochaine.